Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo qui n'était pas du tout prévue, c'est pour ça que je vous la fais à l'iPhone. En fait, on s'est retrouvé invité dans une soirée, dans une pool party de fraternité aujourd'hui. Du coup, nous voilà sur le campus de l'université de Miami pour vivre cette journée. Je me suis dit qu'il fallait grave que je vous vlogue ça, en fait, que je vous montre un peu 24 heures dans la vie d'une étudiante américaine. Donc on va aller à cette soirée frat, donc dans une des plus grosses fraternités de Miami, de l'université de Miami. On vous emmène avec nous, je sais pas du tout ce qu'on va y voir, je sais pas du tout comment ça va se passer. Ça va être un gros truc, il paraît. Et ensuite, qu'est-ce que tu as dit? Oui. Oui. C'est le nom du bâtiment de l'acquis de l'Américain parce que c'est Ah, The Rock, il était là? Ouais. Oh, mon frère, il est archi fan. Mais genre, archi fan. Ok. Donc là, on est sur le campus. Je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a ici. Et ouais, franchement, c'est vraiment excellent. C'est vraiment une vie tellement différente de ce que nous, on a pu vivre en Europe. Genre, pourtant, j'en ai fait des facs. Ça ressemble un peu plus à la fac quand j'étais à Shanghai, je vous l'avoue. Donc, on va faire un petit campus tour. On va vous montrer, là on passe à côté des terrains, genre il y a tellement de terrains, genre en match de baseball et tout, c'est du délire. Et puis peut-être que ce soir on ira manger. Et peut-être que ce soir on ira manger également à la cantine au self de l'université, genre pour compléter cette journée 100% étudiante américaine. Allez, let's go, je vous emmène avec nous. Ça c'est le logo de l'université. Ils le mettent partout, genre vraiment partout. Genre là sur les stades, on l'a partout, vous voyez là. Donc là les équipes ici c'est Hurricanes, c'est comme ça qu'ils s'appellent les équipes de sport. Donc là par exemple il y avait un match de baseball, c'était Hurricanes. Mais voilà, ça c'est vraiment le logo de l'université de Miami et il est partout sur le campus. Et là, ce qu'on passe à côté, vous pouvez le voir là, c'est les maisons des fraternités. Genre, vous savez, là, ça s'appelle Lambda Chi Alpha. Vous savez que les lettres grecques, c'est excellent. Donc voilà, et nous, la party, c'est dans celle-ci, la plus grosse. Donc, let's go, on vous emmène. Donc voilà, c'est là qu'il y a la fête à Paika. Voilà. Alors, oula, t'aurais pas dû passer dans ce plan parce que je suis en x2. C'était pas joli. C'est ici. Et tu disais quoi, du coup, Grégoire, que c'est la plus grosse fac? Non, la grosse frat. C'est la plus grosse fac d'ici. D'ici. C'est la plus grosse fac en général. Wow. Ça va être chouette. Allez, on y va. Des canards, des iguanes. Hein? C'est un mammifère d'eau douce blanc avec un gros pli. Mais ça, c'est toi, ça. Ça, c'est toi quand tu sors de l'eau, ça. C'est quel genre de mammifère, ça? En vrai, c'est la faune au milieu de l'université, quoi. C'est trop cool. Trop cool. C'est stylé en vrai. Il y a des tortues. Elles sont trop mignonnes. Je sais pas si vous les verrez. Elles sont trop mimes. Oh. Il n'y a pas de crocodile là, du coup. Ok. Mais il y a des tortues. Big salle de sport. C'est là où tu vas pousser de la fonte, Grégoire. Ouais, c'est là où tu soulèves. Ça, tu soulèves. Eh, je peux vous dire qu'ils soulèvent pas que des poids. Hein. Ah ouais, bête de salle de sport, elle est immense en vrai. T'as 3 étages. 3. Ah pardon. T'as 3 étages et là c'est l'une des salles parce qu'après de l'autre côté t'as des salles un peu plus spécifiques, une salle d'étirement. Ok. T'as une salle un peu genre type crossfit, quoi. Ok. Et au-dessus après t'as 4 terrains de basket avec 4 ou 3 salles de danse, je sais plus. Et après au niveau du dessus t'as encore des salles de danse et t'as une piste d'athlée autour au-dessus du terrain de basket. Ok. Merci guide. Merci guide. Oh Bob. Non mais regarde. Il est loin l'endroit. Mais oui, il est loin. Je vais une noix de coco. Tout ça pour une noix de coco. Mais oui. Mais en plus, surtout que même si tu vas au bord, t'auras jamais la taille pour attraper une coco. Enfin, tu fais pas 3 mètres non plus. Eh, hey, t'es pas parce que t'es joueur de basket que ça y est quoi. Non mais ouais. Déjà t'as peur des serpents, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Un peu de Lego de Kylian, j'arrive à toucher. T'es ouf, t'as 1%, 1% de Lego de Kylian, tu peux toucher une noix de coco, c'est sûr. Allez, on repart. Truc normal à Miami, les meufs se baladent en maillot de bain sur le campus.
Genre on est en plein milieu du campus. Bon, on est un petit peu en maillot de bain aussi. Et les meufs, oui, bon nous on est en short et tout, mais en bikini au milieu du campus, j'ai vu que c'est un concept aussi. Il y a plein de petits vélos, ils se déplacent tous en vélo aussi. Franchement c'est trop chouette, il est grave canon au campus, c'est un truc de ouf. Du coup, ça c'est vos parties communes en fait. Même pas vraiment en fait. Genre, c'est quoi? Ouais, en soi, si, vous pouvez venir vous poser là en fait, mais jamais vous venez. Ouais, jamais. Ok. Tu me donnes tes droits d'image hein, pour tout ça? Absolument pas. Ah, oh, il y a la petite fontaine à eau. Montre comment on s'en sert. Moi je sais jamais à Kiki. L'autre fois elle a voulu s'en servir. Elle a fait un G avec. Ah, ça c'est pour quand t'es petit? D'accord. Hein. C'est ça, c'est... Mais c'est la même chose genre quand t'es grand ou petit en fait. Mais c'est pas chelou de boire comme ça en vrai? T'arrives à boire? C'est technique. C'est tellement magique. Ah, puis là tu peux mettre ta bouteille. Exactement. Et en plus, petit compteur qui te dit le nombre de bouteilles en plastique qui ont été sauvées. Wow. Avec ils sont tellement forts ici à l'université. Bon, allez, on va faire pipi. Ils ont dans les toilettes, ils ont des distributeurs gratuits de tampons et de serviettes hygiéniques. C'est trop bien. Oh là là, trop génial. Petit terrain de volley avec une petite plage, petit transat pour se poser et tout, au milieu du campus. Voilà. Et là, le campus, il est vraiment canon. Genre, c'est vraiment le côté canon du campus. Il y a un petit chien sur le terrain de volley, il est trop mignon, regardez. Regarde ces maîtres qui jouent, trop mousse. Bon, là, on s'est posé. Grégoire est parti faire un match de volley avec des gens comme ça. J'ai vraiment un mood. Il va, salut, je peux jouer? Ouais. Il est parti jouer. Donc, du coup, on se pose en attendant qu'il joue un petit peu au volley. Mais vraiment un mood ici. L'appart, c'est des cuisines. Ah là, c'est des apparts tout ça? C'est des apparts. C'est pas des dortoirs. Ah, c'est pas des dortoirs de campus. Non, ok. Avec des, du coup une cuisine, c'est ça la différence par rapport à toi? Ok, mais du coup c'est vachement plus cher de venir ici quoi, j'imagine. Et c'est interdit pour les premières années. Et c'est interdit pour les premières années, d'accord, très bien. Sauf si t'es un athlète. Ah, si t'es un athlète, t'es privilégié. T'es une star. Mais ils ont grave des avantages les athlètes ici. Mais ok, donc là c'est les petits apparts. Petit plan du campus, voilà. Ça, c'est le magasin de l'université où vous pouvez acheter tous les fringues, tous les trucs brandés à l'université. Donc voilà, il y a un magasin genre juste pour ça, juste pour que vous achetiez les fringues à l'effigie de l'université. Comme on peut voir juste ici, donc avec le U. Mais c'est un truc de ouf quoi, c'est le Campus Store. Là, il y a un immense food court, vous voyez, écrit Subway et tout, avec plein de fast food. Genre, vraiment, il y a plein de magasins de bouffe et vous pouvez aller vous poser et manger votre fast food que vous avez envie. Genre, c'est immense quand même. Bon, que serait un campus américain sans son Starbucks? Donc, on a bien évidemment un Starbucks juste ici. Voilà, vous pouvez venir prendre vos petites boissons préférées. Et puis il y a encore pas mal de genre de magasins, donc de Yokai Express, La Voix, Fresh Fusion. Donc des restos pour venir manger, mais genre le Starbucks sur le campus quoi. Les gars, il y a carrément un mec qui est en train de pêcher, genre tranquillement, dans le lac de l'université. Il a sa petite canne, il pêche. Voilà, Pépouse. Tu fais quoi après les cours? Bah je vais pêcher quoi. Fruits, salade, cookies là-bas.
Mais genre tu prends ce que tu veux. Tu prends autant que tu veux, ce que tu veux. Non mais je suis morte, c'est quoi ça encore? Genre tu manges, oui, il y a des gens qui sont en maillot de bain, c'est excellent. Il y a des pâtes et tu prends ce que tu veux, genre c'est dans ton truc de prix quoi. Ouais, il a dû payer hein. Bah je sais pas combien il a payé. Il a mis sur sa carte, ça fait... Bon, lui demander combien c'est. Ah voilà, il y a les meufs en maillot au milieu de la cantine. J'adore, il y a des culs partout, je suis désolée. Petit burger pour Grégoire. Deux burgers pour Grégoire. Mais je suis mort. En fait, on prend ce qu'on veut. Genre, là, on peut prendre ça avec grilled cheese. Genre. Mais qu'est-ce qu'on fait là encore? C'est dingue. Là, tu se balades avec son truc. Moi, je vais prendre des pâtes. Vous prenez ce que vous voulez. Ok, nice. Genre, ce qu'on veut vraiment. Ce qu'on veut, genre. Autant qu'on veut. Tout ce qu'on veut, autant qu'on veut. Bon, bah, il n'y a plus qu'un. Hein. Si vous vouliez un peu de sauce, il y a pour tous les goûts. Tous les goûts de sauce. Bon, il y a quand même un petit côté un peu plus ici avec des bars à salade. Mais c'est très cool, franchement. Les bars à salade, ils sont hyper chouettes. Il y a masse de trucs. Et là, du coup, ça doit être les fruits. Ouais. Il y a pas mal de fruits aussi. Oh, il y a du melon. Oh, j'ai grave envie de manger du melon aussi. Ça a l'air trop bon. Il y a même des glaces. Ils peuvent manger des glaces. Tu peux faire des pancakes? Tu peux faire des pancakes. Et au niveau des boissons, du coup, alors il y a le lait. Ah, il y a des gens qui mangent des céréales à cette heure-là. Pommes, jus d'orange, café, thé. Ah ouais. Lait, et là, il y a tous les trucs de boissons. Et à chaque fois, il y a les calories. J'adore mettre les calories partout. Ah ouais, non, mais là, au niveau des boissons et tout, ça y va. Et du coup, les. Mais c'est quoi, genre? Je sais pas comment ça marche. Mais je suis morte. Ah ouais. Bah, ça, c'est pour pas que ça colle. Ah ok. Ah, ça, je connais. Tu mets de l'eau, après tu retournes et après ça chauffe. Oh, incroyable. Je crois que c'est ça, voilà, c'est ça, c'est en gros tu mets ta pâte. Vous voulez vous faire un pancake? Non. Bah on le fera plus tard sinon. Ouais, j'ai pas mangé. On le fera en dessert, on testera en dessert. Mais ça y est, je suis morte. C'est incroyable. Bon, je vais me prendre à boire parce que du coup j'ai pas pris, mais trop stylé. On change pas une équipe qui gagne, même aux États-Unis les gars. Le Coca Zéro, la base. Allez, on va à la table. Bon bah bon app, du coup j'ai pris le grill cheese pour tester, pour me donner envie. Grégoire il est sur burger. Et Kiki elle est sur riz poulet légumes. Voilà. Tu vas dire qu'il mange ça. Bon app. Ça faisait la meuf elle si hein tout à l'heure. Elle a fait ça tout à l'heure. Ah oui, ça va manger elle si. Et Théma, les fraises avec le chocolat. La chantilly chocolat. Voilà. Très elle. C'est un combo gagnant. Très très. Bon allez, on va manger le petit dessert. Bon bah voilà, on vient juste de terminer de manger. Je suis devant l'énorme terrain de foot, basket, rugby, football américain. Je ne saurais que dire, mais très américain en tous les cas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, on a bien mangé. J'ai été étonnée. On a très très bien mangé. C'était très bon ce que j'ai mangé. Les fruits étaient délicieux en dessert. Et franchement, ce campus est absolument magnifique. Est-ce que ça me donne envie de reprendre mes études? Il y a peut-être moyen, mais vraiment, genre, si vous avez l'occasion d'aller faire un échange dans une université aux États-Unis, et encore plus là, sur le campus de Miami, qui est vraiment incroyable, bah vraiment, je vous recommande à 1000% parce que c'est trop stylé. Regardez-moi ça, comment c'est trop, trop cool. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu. J'ai vraiment fait ce vlog quand on est arrivé sur ce campus. Je me suis dit, putain, mais en fait, il faut que je vlog parce que c'est juste
incroyable d'être là et de pouvoir vous partager ça. C'est vraiment un truc de ouf, donc je me suis dit que ça vous ferait aussi plaisir de découvrir ça avec moi. J'espère vraiment vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous pensez de ce campus. Est-ce que vous aimeriez avoir ce type de campus en France, en Suisse ou peu importe en Europe où vous faites vos études, parce que c'est vraiment cool. N'hésitez pas à me rejoindre sur Insta, parce que sur Insta il y a tout en avant-première à chaque fois. Vous avez déjà vu la frat party, vous avez déjà vu un peu le campus et tout. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à me rejoindre sur Insta, c'est le même nom que ma chaîne YouTube. Et puis je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye tout le monde.